Yep les gens, c'est Verxius, c'est Urgence pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai sorti un tout nouveau concept après ma deuxième vidéo. J'avais sorti déjà une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 sur du Ninja Diffuse, du Troll et du Cross Map Tomahawk. Donc une vidéo assez longue avec beaucoup de clips, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Alors ce nouveau concept que j'ai inventé, enfin c'est pas exceptionnel mais voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, nucléaire ou fail, comme ça, ça vous laisse le doute, je ne vous dis rien dans le titre, tout simplement, vous le verrez pendant le gameplay. Alors soit je la réussis, soit je la rate à quelques kills. Alors quand je la raterai à quelques kills, je pense que ça sera des plus beaux gameplays que un gameplay nucléaire, donc comme ça, ça se compensera un peu du fail. Là, vous pourrez voir dans le gameplay que au début, je suis pas très chaud, je tombe dans le vide, notamment sur le wallrun de droite. Et quand je suis en une petite série de 5, je me lance dans une petite série, il y a un allié qui me tue. Je décide de me venger sans faire exprès, je tue un autre allié au lieu du bon. Donc je retue le bon et je suis déjà à deux morts alliés sur 3. Donc voilà, donc je pense vous avoir tout dit sur ce gameplay. Donc je vais vous laisser regarder la vidéo et on se retrouve à la fin. Donc allez, bonne vidéo les gens. Yeah.
Alors voilà les gens, nucléaire réussi, donc j'espère que ce petit gameplay vous a plu. Alors je suis resté pour 5-6 kills un peu en haut, mais bon, il fallait bien débloquer le hitter sans prendre énormément de risques. Mais finalement j'ai eu cette nucléaire, j'ai pas mal rush quand même je trouve au deuxième hitter. Là vous avez vu, je me suis fait virer de la partie, alors j'ai vraiment eu peur de ne pas avoir ma nucléaire quand même, puisque c'était mon troisième kill. En plus il y avait que 160 points à 100, donc j'aurais pu tenter de faire une nouvelle implacable et si on gérait bien les pauses, mais bon comme je n'étais pas en groupe je pense pas que ça aurait pu arriver. Faire une double nucléaire ça n'aurait sûrement pas arrivé je pense, mais une implacable aurait été possible. Et comme vous voyez ça n'a pas été possible puisque j'ai été viré de la partie, puisque j'ai tué un troisième allié. Et au final la nucléaire a quand même compté. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos potes, à commenter cette vidéo, à laisser un like et à vous abonner. Donc allez, ciao ciao tout le monde.